Ce vendredi 8 septembre 2023, la France remportait le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. D'autant plus que, pour la seconde fois en France, depuis 2006, c'est sur le sol français que la Coupe du Monde a lieu cette année. Et en cérémonie d'ouverture, les téléspectateurs ont eu le droit à un discours du président de la République Emmanuel Macron, largement hué et sifflé, mais également par un show inattendu de l'acteur Jean Dujardin. Et la performance de la star française lui a valu un torrent de critiques et moqueries sur les réseaux sociaux. D'habitude silencieux, Jean Dujardin a décidé de sortir du silence. Ce jeudi 14 septembre 2023, dans un long texte publié sur son compte Instagram. « Je tombe à la renverse. Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires. Politique et médiatique. On l'a voulu belle, on l'a voulu festive, on s'est amusé à l'imaginer, on s'est investi tous ensemble, bénévoles, artisans, artistes, heureux de la préparer en pensant au plaisir de tous. Nous sommes effectivement aussi le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l'éducation, n'en déplaise à certains », a d'abord écrit Jean Dujardin. Puis de conclure, nous aurions dû certainement nous rappeler que notre pays est largement critiqué pour son esprit polémique et bronchon. Je vais vous laisser régler vos affaires entre vous. Je voulais que ce soit une cérémonie d'ouverture d'esprit, de partage et de joie. » Suite à sa réponse sur Instagram, de nombreuses personnalités ont soutenu l'acteur dans la barre de commentaires. Sois toujours celui que tu es, fidèle à tes croyances, tes convictions et tes valeurs, fidèle à toi-même. Tu es merveilleux, a écrit Laetitia Hallyday, régulièrement victime de critiques. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Vous avez fait ça merveilleusement bien, a commenté l'humoriste Kev Adams. Les Français qui aiment leur culture, leur artisanat et leur histoire ont aimé. Et surtout compris, ce moment. Fier d'en avoir été, a ajouté le chanteur Vianney. Son épouse, la danseuse sur glace, Nathalie Péchala, mère de ses deux filles, a également soutenu son mari en commentant un smiley cœur. Tandis que l'animateur Christophe Beaugrand, la chanteuse Camille Lelouch, ou le comédien Florent Père, ont également montré leur soutien sous la publication.